Le gouvernement québécois a déposé son projet de loi visant à encadrer la légalisation du cannabis qui doit entrer en vigueur partout. Mesdemoiselles, messieurs, LGBTQ, tant mieux. C'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce qu'on peut maintenant fumer de la beuh. Si vous étiez de ceux qui se faisaient arrêter pour un gramme ou deux, vous pouvez dormir en paix, votre prochain joint sera pas le théâtre de drame douteux. Shout out Justin Trudeau, mon candidat dans Papineau. Il était temps qu'on arrête de nous considérer marginaux. Je m'en sandale sur mon patio, ça fait pas de moi Al Pacino. Qu'on arrête de mettre en prison le monde qui veut me dévorer. Fumer dans la maison, je peux allumer sans raison. C'est rendu que je puffe entre chaque bouchée de cresson. Depuis que c'est permis, je me roule des perches chez ma belle famille. Je roule des flèches assis dans le taxi, j'allume des mèches et je fais de la vie. Je m'installe au parc avec mon pique-nique. Après j'en fume un petit vite vite. Tant que je fais mes tacs, je peux fumer 8 spliffs. Au pire 4 chocs, puis on sera kiff. Les polices me demandent, je leur dis allô. Je leur ai même offert des gâteaux. Au devant de ça passer comme des marmots. Mais la meilleure place pour trouver de la bombe, c'est l'hôpital, parce que c'est médical, est-ce que le sage? C'est herbal. C'est herbal. Le tabac d'artiste est maintenant offert à bas tarif. Les spliffs, les cigarettes comiques sont aussi chics qu'un gin tonic. Bombe atomique, hydroponique, hostie grosse pipe. Faut qu'on célèbre ça de ville en ville. La puissance mille tout baigne dans l'huile. Fumer du pot, avance des teufs. Faut toujours se checker pour être sûr qu'il y a personne qui se pote. À cette heure on fait ça live. Des précautions y'en a pas 13. Il faut juste s'assurer qu'il y a pas d'enfants dans les manèges. Puff, 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 puff. C'est légal. People.